Mais c'est carrément interdit! Normalement, ça fait 15, même pas 15 minutes que je chasse et j'ai dû faire un chiffre à peu près petit! Est-ce que ça existe encore, les chiffres supérieurs à 8192? Honnêtement, je me le demande! Parce que là, cette fois, une petite chasse que j'ai même pas eu le temps d'annoncer, je crois. J'étais à 2960, je dois être à avoir dépassé les 3000, mais de peu! Nom d'un chien, psychoquac, quoi! Oh mon dieu, psychoquac, Shiny! Oh la vache, mon dieu, mais c'est une tuerie. Ah, c'est complètement ch'tardé. Oh mon dieu, c'est un truc de fou. C'est une femelle bleue narmol. Oh la vache. Alors ça, oh mon dieu. Elle est tombée à 12h54 le 16 décembre 2012. On va bientôt tous crever. C'est bientôt la fin du monde. Et moi, je tombe sur un shiny, mais c'est l'annonce de la fin du monde. Mon dieu, je fais même plus de chiffres. Oh la vache, il est monstrueux, il m'a pété à la gueule. Je voulais faire une petite recherche tranquille pour me calmer et je me suis dit. Et je préparais mes futures recherches en fait. Je me disais que Mystère Bobo Ocean ça pourrait être sympa. Et là, Psychoquac qui tombe, mon dieu! Ça veut dire que mes prochaines recherches, il va falloir que je me bouge pour chercher laquelle je vais faire! Non mais sans déconner, il est monstrueux, c'est une tuerie ce truc. En plus, avec le ciel bleu, carrément tu le vois pas, il est en guet-apens dans la mare. C'est un truc de fou! Oui, vous l'aurez remarqué, je suis un peu content. Ça m'arrive pas si souvent, mais là, ça y est, je suis heureux comme si c'était mon premier shiny. Mais oh, c'est un truc de fou, quoi. Il est tombé, mais j'ai explosé de rire quand il est tombé. C'est juste hallucinant. Bon, on va enlever la lumière. On va voir si ça améliore un peu le truc. Ouais, non, bof. Sans plus. Ah, mais ce psychoquac, il est bleu, quoi, les mecs. Il est bleu. Plus bleu. C'est magnifique. C'est merveilleux. Bon, ben on va aller capturer cet animal, mais d'abord je coupe le... Je vais couper mes pattes. Heureux, voilà, j'ai coupé mes pattes. Bah oui, parce qu'en fait je chassais en attendant que ma bouffe soit prête, quoi, c'est tout. Donc le temps que j'allume le gaz et que ça chauffe, ben il est tombé cet enfoiré. Un truc de fou! C'est incroyable, c'est hallucinant, c'est magnifique. Ça fait 3 shiny à la bourre maintenant, 3 vidéos à monter maintenant, hein. Génial, hein. Peut-être falloir s'y mettre. Enfin, je suppose que quand vous verrez cette vidéo, les deux autres sont quand même montés avant, mais bon. Il me faut quand même que je bosse, quoi, c'est tout. Faut que j'arrête de glander. Oh, quel bol, il faut que j'ai des appâts-bols quand même. Oh, j'ai des... Oui, enfin, des scuba-bols. Eh ben, c'est parti pour quelques scuba-bols. J'en ai 2, ça devrait rentrer. C'est classe! Ah, il est pas très. Oh, bon, si, non, bon, ça verra bien, mais. Et voilà un magnifique psychoquac! Il est vraiment incroyable et magnifique. Bon, il sera pas dans le Dex, parce que bon, j'ai bien avancé. C'est ma Heart Gold, hein, voilà. Mais là, pareil, sur cet écran, il est complètement bleu. Il est là, c'est tout. C'est un truc de fou. C'est vraiment magnifique. Ah, on a un sacré morceau là-dessus. Un morceau bleu, il est pas... Carrément, il envoie, y a pas à dire Aquaquac à côté. Déjà, Aquaquac, je le préfère moins que Psychoquac de par la forme, de par l'allure qui... Bon, sans déconner, Aquaquac, on dirait un Machoc. Mais bon, Psychoquac, Shiny, est tellement plus flashy que Aquaquac, c'est incroyable. Puis de toute façon, Psychoquac, ce Psychoquac restera Psychoquac. Psychoquac, je vais pas m'étendre dessus, mais c'est une affaire de famille, sans déconner. C'est pour ça, c'est pas tellement pour moi que je chasse Psychoquac, mais nom d'un chien quand j'ai vu son shiny, et puis surtout... quand j'ai vu les apparitions de Psychoquac sur Heart Gold au Bow Ocean, je me suis dit, nom d'un chien, il faut que je le fasse ici. Et du coup, on va passer un petit peu au surnom. En plus, vu que c'est une femelle, ça lui va bien.
Donc je suis toujours dans mon trip de faire des surnoms japonais, hein. Bon, voilà. Je suis pas planté, non, c'est bon. Donc, voilà. Guzu. Je trouve que ça va bien, une femelle. Mieux qu'un mâle. Et bon, pour la traduction française, oui, je vais essayer de... Mais putain, mais arrête de me faire chier. Allez, on sauvegarde. Pour ce qui est donc de la signification japonaise, ça signifie l'idole. Ce qui veut tout dire de Psychoquack. Psychoquack, c'est le Pokémon fétiche dans ma famille, non, sans déconner, hein. C'est un truc comme ça. Bon, après, on va pas se mentir, c'est pas forcément mon Pokémon préféré, mais nom d'un chien, il est beau, quoi. Donc, Guzu. On va aller voir son résumé, d'abord. Ouais, je crois qu'il est chez lui, le mec. Il est timide, enfin, elle est timide, ça va bien. Timide et fier de sa puissance, je suis pas sûr que ça aille très bien ensemble, sans déconner. Elle est trop belle. Et donc, plus vitesse, moins attaque pour un Psychoquack. Ouais, bon, de toute façon, Psychoquack en vitesse, hein. C'est pas le top, et l'attaque, normalement, c'est pas le type d'attaque que Psychoquack va apprendre, hein. Il va pas attendre prendre des attaques de bourrin, normalement. Mon dieu, mais quelle beauté, c'est incroyable. Oui, bon. C'est incroyable, c'est prodigieux, c'est magnifique. C'est juste beau, c'est incroyable. On le met en premier plan, et là, on a la belle... Mon dieu, un fantôme. Mais il est bleu, mais... Enfin, sur l'écran, tout à l'heure, on le voyait carrément gris, quoi. Il est bleu, mais un bleu gris, enfin, chromé, quoi. C'est chromatique. Oh, misère. Donc bon, c'est incroyable, donc avec les pieds et le bec, il y a un peu d'un gris, un gris presque argenté, ça irait bien dans une version Soul Silver, quoi, c'est à peu près le genre de couleur que je rapproche à Soul Silver. Oh, là, ça va être beau. Ah ouais, bon, je vais refoutre les animations, quand même. Quelle belle créature. Et donc on remet vite fait les animations, oui. Donc voilà qui est fait pour ce petit... Il est vraiment... Il assure, mais comme rarement. Hein. Bon, je reste dans le beau chêne parce que j'aime bien cet endroit. Donc bon, il n'y aura pas de rencontre ailleurs. Et en plus, le fond d'écran, enfin le fond là pour le combat est magnifique. C'est un vert qu'on voit, on voit pas ailleurs à part dans le... dans la forêt de Jade. Hein. Bon. Oh, regarde-moi comme il est beau cet animal. Oh mon dieu. Il est juste sublime. Et il est bleu. Il est bleu, il est shiny. Elle est belle. C'est faut dire que en bleu, c'est pas forcément hyper évident de ouais. Enfin bref, ça chie complètement. C'est juste incroyable. Donc voilà. Mon dieu, mais il est monstrueux, quelle créature du feu de dieu! Je re-sauvegarde la partie parce que lui, par contre, il me botte bien l'animal. Donc ça faisait un petit moment que j'étais pas tombé sur un shiny dans l'arc-gauche. Je me suis dit, allez, pourquoi pas, on se fait un petit délire. En plus, Psychoquack qui me plaît bien. Donc voilà, et il est tombé très vite de telle manière que c'est carrément hallucinant. Hein. Donc bon, on va aller voir un peu. Enfin voilà, on va. Sur cette petite Guzu timide, et c'est sur cette image que je vais vous quitter parce que sans déconner, j'ai pas que ça à faire. Ouais, faut que je mange, Ken. Et donc, du coup, je sais toujours pas quelle recherche j'ai à faire parce que je me suis bien motivé pour Dialga dans Platine et aussi Créel, ce qui peut être très très sympa. Et du côté de la petite recherche sympatoche, il y a aussi toujours dans le Bois aux Chênes, ici. Donc ce serait plus dans l'eau maintenant, bon voilà, tant pis, parce que j'ai Psychoquack maintenant. Ce serait pour essayer de choper un mystère, donc ce serait plutôt la nuit, parce que Mister Shiny aussi, nom d'un chien, il en jette. Sur ce, après vous avoir bien raconté ma vie et vous en avoir mis plein les mirettes avec ce Psychoquack, je vous dis à la prochaine tout le monde.